Quand tu prends l'avion, il faut accepter le fait que tu es totalement inutile. S'il y a un accident, tu ne sers à rien. On va se cracher! Est-ce que je peux aider? Je reste là? Ok. Je ne bouge pas. Bon, j'exagère, tu peux quand même faire un truc. Lors d'un crash d'avion, la ceinture sauve environ 0,7 personnes sur 8 millions. Pensez-y. Moi, je flippe tellement en avion que tu peux faire n'importe quoi, je serai toujours dans le même état d'esprit. Tenez, monsieur, je vous vois un petit peu stressé, du coup, je me suis dit que 1 million d'euros pourrait vous faire du bien. J'en veux pas. Je n'ai plus peur, car l'amour m'a sauvé. Il m'énerve les gens qui sont confiants, là, qui sont à l'aise. C'est pas normal. Excusez-moi, vous réalisez qu'on va peut-être se cracher là? Mais pas du tout, enfin. Sûr que si, on va se cracher là. Comment ça? C'est possible qu'on se crache. Et si on se crache ta famille, eh ben ça dégage. Je vais voir ma famille. On va tous crever. Trop jeune pour mourir maintenant, c'est pas possible, je veux pas me cracher. C'est ça qu'on veut. En même temps, les gens qui se sentent pas bien, je suis pas fan non plus. Etakitaho. C'est moi, vous faites quoi? Mais ne m'interrompez pas. Si je ne fais pas ça, on va tous crever! Vous l'avez fait combien de fois là? Je sais plus! Mais comment ça vous avez plus? Sandrine Gomez nous a quittés car elle a oublié un Etahitaho! Moi je suis très très superstitieux. Du coup j'ai associé le fait de bader dans l'avion au fait de rentrer en vie. Du coup il n'est pas question que je sois à l'aise. À ce moment là, le gars il fait un lécher de salope! L'avion va s'ouvrir en deux, on va se faire arracher la tête, ça va être une boucherie. Ou alors on va se prendre un missile dans la gueule. Malgré la une caisse. Arrête de rire putain, on va tous crever comme des merdes. La chauve-souris, elle est à l'interphone. La gueule. Salope. Mort. Caisse. Destruction. Chauve-souris. Crash. Salope. Sang. Caisse. Victime. Chauve-souris. Arrête. Salope. Caisse. Chauve-souris. Mort. Crash. Sa queue. Alors bien sûr, pour te détendre, on va te dire que l'avion, c'est le transport le plus sûr du monde. Alors moi, je dis ok, les statistiques. Mais dire ça, pour moi, c'est comme si tu me disais, je te présente Fred, hein, c'est un pote à moi, c'est le mec le plus sympa du monde, le plus adorable. Hein, bon, après, ça lui est arrivé deux fois dans sa vie, hein, de planter un mec, voilà, de manière totalement arbitraire dans la rue. Hop là, le couteau, comme ceci, le petit rectangle, il avait arraché les boyaux, il avait bouffé les boyaux. Mis à part ça, rien à signaler, le mec est réglo. Je voulais te faire connaissance. Allez, je me taille. Tu veux du pain? Ce que je comprends pas, c'est que malgré tous ces accidents, on n'ait pas encore pensé à changer l'armature de l'avion. Et y a personne qui a pensé à ça? Les avions sont constitués d'acier. C'est un matériau dur, dangereux. Le caoutchouc est un matériau naturel que l'on retrouve par exemple dans les tototes des petits-enfants. Il n'existe pas de tototes en acier. Ce serait de la folie. C'est de ce constat que j'ai imaginé l'avion en caoutchouc. Regardez ce qui se serait passé le 11 septembre 2001, avec ma technologie. Mais allez leur faire comprendre aux grands de ce monde. Ils veulent rien écouter. Quand tu passes tes bagages à l'aéroport, c'est très très chiant et très long. Surtout quand tu sais que 95% des gens ne vont rien faire. Moi par exemple, je suis gentil, je vais pas poser de bombe. Brad Pitt, Tom Cruise, Céline Dion, Christophe Maé, laisse passer. Je pense qu'il faut faire comme en boîte de nuit, tu contrôles au feeling. Suivant. Bonjour monsieur, si je fais ce voyage, c'est pour manger des glaces au chocolat et à la framboise. Vous me laissez passer? Il veut passer le petit chou, vas-y. Je vous ai bien eu, je suis fan d'Hitler, je vais détruire le monde. Truc très très chiant, c'est quand le commandant de bord a décidé de parler pendant que toi t'es tranquillement posé sur ton écran. Ça fait 5 ans qu'on se connaît maintenant, chérie. C'est trop chou. Est-ce que tu veux... Les cartouches de cigarettes sont disponibles à tout moment. Marlboro Light, Lucky Strike, Philip Morris, Camel, Camel Light, Camel Mentholé. M'épouser. Évidemment, nous avons aussi un large choix de spiritueux, whisky, rhum ambré, rhum blanc, vodka, tequila, absinthe. Et vin de table. Un passager a vomi dans l'avion. Je tiens à préciser qu'il y a des grumeaux. Moi j'ai tellement peur en avion que chaque fois je me dis si je survis, je vais croquer la vie à pleines dents. Tu vois, je vais faire plein de projets. J'irai même voir le spectacle pourri de mon pote Fred. Juste pour le voir, tu vois,
Je croise pas assez ce mec-là, j'adore. Et puis après, j'atterris. Oui, Fred, ça va? Ouais, je viens d'atterrir, là. Je t'appelle rapidement, juste pour te dire que je viendrai pas ce soir. Ouais, voilà, parce que ton spectacle est pas fou, donc je vais pas me forcer. Je me suis souvent dit, ça doit être horrible pour les gens qui attendent à l'aéroport et qui apprennent que l'avion qu'ils attendent s'est crashé, avec des gens proches à l'intérieur. Mesdames et messieurs, le vol en provenance de Melun s'est crashé. C'est terminé, fin de parcours. N'oubliez pas de passer au duty free, c'est moins 20% pour les familles des victimes. Yes! Je vais prendre deux cartouches, mon Franck! Elles seront pour toi, celles-là! Yes! Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on ait droit à une dernière volonté au cas où l'avion venait à se crasher. Oh mon dieu, il y a l'avion qui va s'écraser! Ma dernière volonté, s'il vous plaît! Je suis le deuxième sosie de Johnny de France! Yeah! Allez, avec moi! Vas-y, mon Johnny, vas-y! Gabriel! Yes! Tu me donnes l'envie, tu me donnes le désir, on y croit! Allez! Yeah! Et bon crash à tous, c'était Johnny! Moi, ce qui m'énerve le plus, c'est les petits connards qui mettent leur coussin autour du cou, là, 2 heures avant le décollage. Ça doit être le même genre de mec qui, quand ils vont aux putes, ils mettent le préservatif sur la bite 2 heures avant. Merci à tous, c'est tout pour moi. On se retrouve la semaine prochaine au Théâtre des Deux Ânes. Je suis payé au chapeau.